conserve. Oui. Des boîtes de conserve. Oui, on va manger. On va manger de la pâté pour chat. On va manger de la pâté pour chat. Ben oui, c'est comme du thon. J'étais pas au courant. Ben, ciao, ciao les amis, je m'en vais. Moi, je mange pas de la pâté pour chat. Hein. Non, non. Mais non, maman. De quoi, mais non? Tu m'as dit qu'on mangeait de la pâté pour chat. C'est les pet shops. C'est des pet shops? Oui, regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Des boîtes de conserve et dedans, il y a des pet shops. Regardez les amis, ce sont des boîtes de conserve avec des pet shops à l'intérieur. Alors ça, j'ai jamais vu. Alors, ça contient le personnage, un petit chapeau et puis après, je sais pas. Alors en fait, il y a quatre choses parce qu'il y a un personnage, un chapeau et deux ingrédients en fait. Donc là, il marque deux burgers, mais bon, ça doit être deux ingrédients. Apparemment, ce sont des Littlest Pet Shop, mais sur des pet shops avec la nourriture. Donc ça, c'est marrant, c'est dans des boîtes de conserve. Mais dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu ça, les amis. C'est la nouvelle série. C'est, voilà, ouais, je sais pas si c'est une série, bah c'est pas marqué normalement, il y a marqué série 1, série 2, série 3, etc. On les ouvre les... On va les ouvrir, mais bah, je vois que tu es très 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 pressée, donc bah, on va ouvrir la première, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi je pense que c'est une édition spéciale, parce qu'il n'y a pas marqué série 1, série 2, série 3. Bah dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Et je crois que ce n'est pas encore sorti en France. Ah c'est cool. Ah ça s'ouvre vraiment comme une boîte en fait. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte? Déjà nous avons le flyer. Un flyer. Ah ben voilà, on a toute la collection. Voici donc les pet shops à collectionner. Alors je ne sais pas s'ils sont tous présents. Voilà. Donc ils sont là, donc il y en a 10. 10 à collectionner. On a eu combien de paquets, Louloute? 6, c'est déjà bien. 6, ouais. Comme j'ai 6 ans. Ah oui, comme t'as 6 ans. Alors t'aimerais en avoir combien à peu près de la collection? Peut-être ce serait bien qu'on en ait 4 ou 5, ce serait cool, la moitié sur les 10. Alors il y en a vraiment pas beaucoup à collectionner, je vous les remonte les amis. Donc voici ce qu'il y a. Et derrière, il y a... Alors je sais pas si ça va spoiler ou pas. Voilà ce qu'il y a derrière. Alors je sais pas si c'est celui qu'on a eu à l'intérieur, on va le découvrir tout de suite, mais si par contre c'est celui qu'on a à l'intérieur, les prochains, on ne regardera pas l'image, d'accord? Oui, justement, je n'ai pas regardé. Ok, alors moi par contre, s'il y en a un que j'aimerais bien avoir, alors j'en vois un avec les frites, j'en vois un avec une pizza, enfin ils sont tous pas mal, le burger, ah ils sont tous sympas, hein, le hot dog. Regarde, bah dis, alors moi j'aimerais bien que dans celui que tu ouvres là, que tu aies les frites, et toi? Regarde un peu dessus là, sur le petit flyer. Celui-là. Océane voudrait bien avoir celui-ci, le violet. Alors je sais pas ce qu'il a, le rose, il a un donut en fait, c'est un donut. Ah. Ok, bon ben on y va, c'est parti. Alors je sais pas si on a besoin de ciseaux. Alors il y a combien de choses, il y a deux petits sachets. Ouais. C'est vite dedans. On n'a pas besoin de ciseaux, regardez, ça s'ouvre tout seul. Et... Ah, c'est pas celui qu'on voulait regarder. Oh. C'est celui qui était sur la photo. Ah, donc c'est bien celui qui est sur la photo. Donc c'est celui-ci. Me fais voir le loup, à quoi il ressemble? Ah, il est mimi. Attends deux petites secondes. C'est comment qu'il s'assemble juste? Dans l'autre sens. Tourne. Ouais, comme ça. Ah. Oh, il est trop beau. Regardez les amis. Il est habillé tout en jaune. Voilà, les petits os, ils sont vraiment trop beaux. Franchement, il est trop mimi. Et puis après, on a d'autres petites choses. Alors, à l'intérieur des sachets, il y a un deuxième sachet avec des trucs dedans. On a un serre-tête avec C'est un ananas, ben oui. C'est le petit ananas. Non, regarde, tiens. Regardez. Alors, vas-y, mets-lui son petit serre-tête. C'est un serre-tête comme moi, j'avais. Et oui. Ouais, bon, toi, t'as pas un serre-tête ananas quand même. Non. Oui, parfait. Et puis sa petite nourriture. Et un petit ananas. Regardez comme il est beau, les amis. Oh, il est trop beau. Waouh, trop cute. Trop beau. Alors, on continue. Alors, on va essayer quand on va ouvrir de ne pas regarder ce qu'il y a sur l'image. Voilà. Alors, on y va. Je vais le coucher parce qu'il ne tient pas debout. Allez, c'est parti. Donc, celui-ci. Alors, pronostic. Alors moi je pense que dans celui-ci tu vas avoir toujours la frite.
Et toi, tu dis toujours le donut? Attends, fais voir. Cette fois-ci, je vais changer d'avis. Ah, tu vas changer d'avis? Moi, je dis la frite, toujours. Moi, je dis celui avec la vie en burger, comme ça. Le burger? Ok. Le burger. Allez, c'est parti. Ferme les yeux parce qu'il est sur le dessus. Ferme les yeux quand tu vois après. Mais c'est oui, marrant, mais de toute façon, je le retournerai. Dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez. Parce que moi, c'est le packaging, je le trouve trop bien. Trop bien. Regarde pas. Ah, on veut pas voir. C'est bon, je retourne. Alors, on y va. Oh, ils ont l'air plus gros, ces sachets, regardez. Waouh. Allez, on y va, on ouvre. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, moi, j'ai dit donc les frites. Et Océane a dit le hamburger. Allez, est-ce que tu as ça à l'intérieur ou pas? Attends, voyons voir. Attention. Non. Et non, perdu. Oh, c'est un petit singe. Mais il peut se déshabiller. Ah, mais il peut se déshabiller? Mais oui, regarde, il peut. Non. Attends, voyons voir dans l'autre s'il y a un habit, parce que ça se trouve, il y en a un. Hein. Alors, Océane ne nous a pas encore montré vraiment qui c'était, mais j'ai vu que c'était un petit singe avec une peau de banane, c'est ça? Oui, mais... Attendez, ce qu'il y a dedans? J'ai senti un habit dans le sachet. Eh ben, regardez. Tadam! Oh, c'est quoi ça? Ah oui, ah c'est son petit chapeau. Un chapeau banane. Oh, c'est trop cute. C'est marrant ces pet shops. Ouais. Tu veux voir ma chérie? Waouh, il est trop mimi. Avec ce petit truc de sang. Voici le suivant. Alors c'est un petit pet shop avec une banane en vêtement. Donc, il est trop marrant. Et avec sa petite banane lui. En accessoire. Voilà. C'est lui en fait. On a eu ses deux. Et on le voit sur la petite image, il est ici. Voilà. Alors moi, je change d'avis, je dis le petit chien habillé en hot dog là. Alors moi, je dis le donut du coup. Toi le hot dog et moi le donut. Allez, c'est parti. Donut pour moi et hot dog pour Océane. Hop là, je vais choisir là. Allez, ferme les yeux quand tu ouvres. Parce que comme il est dessus... Le petit papier. Je ne regarde pas. Je retourne et je donne. Allez, c'est bon, tu peux regarder maintenant ce que tu fais. Ça a l'air vraiment très petit. C'est tout petit. En fait, tu as dit quoi, hot dog, hein, c'est ça? Oui. Oh oh! C'est quoi? Ah non. Ah, c'est un tacos. Ah, c'est un petit chien, mais il est trop mimi. C'est un petit chat, Bruto. Oh, il est trop mimi. C'est un petit chien, je te rappelle, pas un chat. Un chat? Non, un chat, c'est ah, un oui, chat. Ah oui, un petit chien. Non, un petit chat. Non, c'est un petit chat. Ben non, c'est un petit bon, chien. Bon, dis-nous dans les commentaires, petit chien ou petit chat? Moi, je dis petit chat aux amis. Petit chien, me dites-nous, hashtag chien ou hashtag chat? Voilà, ça vous nous le dire. Les amis, nous n'avions pas vu le flyer dans la boîte. Donc on a trouvé un flyer ici, voilà. Et effectivement, c'est une série spéciale qui s'appelle Les animaux affamés. Et ils sont ici, voilà, il y en a bien 10 à collectionner. Donc pour le moment, nous avons donc, le chat tacos ou le chien. Le singe et le petit perroquet, enfin le petit oiseau. Et voilà, ça y est, il est tout habillé. Alors, fais voir un peu. Oh, il est trop beau. C'est une petite boucle d'oreille, son petit chignon vert. Voici le petit chat en question. Il est trop beau. Oh, il est trop mimi avec son petit tacos. Et puis là, il a une tranche de citron en guise de boucle d'oreille. Il est trop beau. Moi, je dis donuts. Moi, je dis la tortilla avec la fraise. La tortue avec la fraise, ok. Allez, c'est parti, on ferme les yeux. Ferme les yeux. Ne regardez pas. On cache tout. Ah,
Allez, c'est parti les amis. Allez ma louloute, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu? Est-ce que j'ai perdu ou est-ce que j'ai gagné? Ouais, ça fait pareil, mais c'est dans l'autre sens. Oh, c'est l'hamburger, celui que j'avais choisi tout à l'heure. Ah, il est trop beau. Ah, mais on peut lui enlever son hamburger. Ah oui, en fait, on peut les déshabiller, en fait. Ok, oh, c'est il cool. Est trop mimi. Il est vraiment trop beau, oh là là. Et voyons voir ce qu'il y a dans l'autre sachet. Il doit y avoir un petit burger, alors. Un cornichon et un gobelet de coca. Un petit gobelet de soda et une tranche de concombre tournant. Regarde, ça c'est marrant. Ça c'est super marrant, louloute. Attends, fais voir s'il est vraiment comme ça. Ah, c'est à l'autre oreille. Voici le petit chat burger. Il est trop beau. Avec son petit soda et sa petite tranche de cornichon sur la tête. Franchement, il est trop mimi. Et en plus, on peut enlever les vêtements. Ça, c'est cool. Franchement, ils sont trop, trop bien faits. C'est pas top pour le moment, mais tu sais quoi? Et lui aussi, on peut l'enlever. Sur 6, on en a eu 4 différents et il nous en reste 2 à ouvrir. Peut-être qu'on va pas en avoir des doubles. Ah oui, c'est sûr. Ah, ce serait bien, ça. Moi... Pour le moment, on a beaucoup de chance, hein. Moi, je change... Moi, je reprends le hot dog. Le hot dog? Moi, j'ai toujours le donut. Voilà, le donut. Attendez deux petites secondes. Bon, moi j'avais dit log dog. Le hot dog et moi je dis toujours le donut. Ah, on va ouvrir le petit sachet en premier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a un sushi avec ça. Un sushi. Alors, ça peut être un sushi. Alors, qui est-ce que ça peut être avec un sushi? Ah, c'est bon, regardez. C'est celui que j'avais choisi tout à l'heure. Oh, il est trop beau. J'avais choisi tout à l'heure, oui. Ben, pour le moment, on en a 5 sur 6 de différents, dis donc. T'as vraiment de la chance, toi. Oui. Voici l'avant-dernier. Donc, c'est un petit chat violet avec... un sushi et une tranche d'algues, je pense, sur la tête. Et son petit sushi à côté, son bol, son lit, c'est trop mignon. Et regardez lequel c'est lui. Et oui, c'est lui, tout à fait. Il est trop beau. Alors pour le moment, tu fais un sans faute. Hein. Mm-hmm. T'as vraiment de la chance. Hein. Et le dernier. Ne regarde pas. Oh, je l'ai déchiré. Alors moi je dis le donut et ben, toi? Moi je dis, du coup je vais changer, je vais dire le hot dog. Voilà, okay. Allez c'est parti. Le hot dog on a dit, allez. Ah. Ah c'est celui qu'on a eu. C'est un doux. Ah mais peut-être qu'il a les mêmes affaires que c'est pas le même. Peut-être, hein, on peut toujours croire, mais je crois que tu as un double, Océane. Attention. Et oui, c'est un double. Ah. Mais c'est déjà bien, regarde. Ah, sur oui. 10, tu y en as eu 5. Tu t'imagines? Trop bah, bien. Bah 5, 6. Non mais différent, je parle. Ah oui. Ah oui. Alors, fais voir, oui, c'est exactement le même que tout à l'heure. Donc, c'est moi, le petit chat. Moi, je vais faire un échange d'habits. Un burger. Bah oui, si tu veux, tu pourras faire un petit échange d'habits. Voici toutes les petites figurines Little Space Shop que nous avons eues réunies devant Océane. Elles sont toutes aussi mignonnes les unes que les autres. Elles sont trop, trop belles. Franchement, Océane, t'en penses quoi de ces figurines? Elles sont trop, trop, trop kawaii. Elles sont trop kawaii, ouais, elles sont magnifiques. Alors, est-ce que ça te donne envie de continuer la collection? Ah oui, j'adore les potes de conserve en plus. Ouais,
et franchement, je trouve le concept trop génial. D'ailleurs, on remercie qui ? On remercie Hasbro ! Oui, on remercie Hasbro, surtout Frédéric, bah, si tu passes par là. De nous avoir envoyé ça. C'est trop gentil, ils sont trop beaux. Alors, tu as eu vraiment de la chance. Attends, un petit cœur, trop mimi. Alors, tu as eu vraiment de la chance parce que sur 6, tu n'en as eu qu'un seul double. Ça, c'est cool parce que tu as déjà la moitié de la collection. Mais je te donnerai un Corentin puisque c'est un burger. Ah, bah oui, Corentin, un burger. Bah oui, très bonne idée, ma chérie. C'est très, très, très bonne idée. Est-ce que tu vas les montrer un peu, les présenter aux copains vite fait comme oui. ça ? Oui. Comme ça, on fait un peu un petit récap. Alors, on voilà. y va. Donc, on a qui ? Là, nous avons celui avec le cornichon et le burger. Ouais. Nous avons le même en double. On a le sushi. Après ça, je sais plus ce que c'est. Alors, c'est le petit chien ou chat. Bah, dites-nous dans les commentaires. Moi, je dis un chat, elle a dit un chien. Ça. Burritos. Celui-là, c'est le burritos. Ça, c'est l'ananas. Et celui-là, c'est la banane. Voilà. Et si vous remarquez, eh ben, la banane pour le singe, l'ananas pour l'oiseau exotique, etc., etc. Alors les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. On vous a fait découvrir la nouvelle collection des Pet Shop oui. qu'on tente de voir arriver en fait dans les magasins pour pouvoir les collectionner. On vous a pas montré, mais là on vient de s'apercevoir aussi que derrière il y a d'autres collections à avoir, dont des cosmiques qui sont trop trop beaux avec des petites licornes et tout. Enfin, je sais pas trop, mais ils sont magnifiques. C'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et toi, ça t'a plu ? Oui, et puis ils sont trop kawaii. Ils sont trop, trop beaux. Dites-nous dans les commentaires quel est votre pet shop préféré. Alors, lequel est ton préféré? Moi, j'en ai trois préférés. Ah, trois. J'ai lui. Ok, donc sushi, burritos et ananas. Alors moi, celui que je trouve le plus marrant, le plus rigolo en fait, c'est le singe avec la banane, ouais. Il est trop marrant. Sinon, le plus beau, moi, je trouve que c'est le petit chat dans le sushi. Il est trop mignon. Alors les amis, on va vous laisser. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous collectionnez vous aussi les pet shops, lequel est votre préféré, si vous avez aimé la vidéo. Dites-nous plein de choses, on répondra. Oui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit... Ciao les amis. Ciao les amis. Bisous. Ciao les amis et aussi à vous.